l'ouverture d'une lettre. Nous avons reçu une lettre, les amis, et attention, accrochez-vous de super loin, Quentin Océane. Je ne vous l'ai pas encore lu, et c'est une lettre qui vient de très très loin, qui vient du Maroc. C'est la première fois qu'on reçoit un courrier qui vient de si loin. Le Maroc, vous imaginez, c'est super loin, c'est de l'autre côté de la mer. Waouh. Ouais. Alors, est-ce que vous voulez savoir ce qu'il y a dans cette lettre? Oui. Allez, tiens, mais je vous laisse regarder le tampon un peu, les écritures ne sont pas les mêmes que chez nous. Voilà, alors on a une petite lettre. Et moi? Donc voilà la lettre en question. Avec des cœurs et tout ça, regardez les loulous. Wow. Et je crois qu'il y a une FAQ à l'intérieur. Wow. C'est trop cool ça, une FAQ. On a vu il n'y a pas très longtemps, mais peut-être que ce ne sont pas les mêmes questions. Bon, on va voir, d'accord? Ouais. Je vous lis? Oui. Salut, je veux vous dire que vos vidéos sont vraiment géniales. Continuez comme ça et gardez toujours le sourire. Vous basez ce qu'on essaye de faire. Alors, je m'appelle Iba. Coucou Iba. Coucou. Grosse dédicace à toi si tu nous regardes. On te veut de gros bisous, Iba. Je suis marocaine. J'ai 14 ans et demi. Je vais avoir 15 ans le 5 septembre 2017. On est déjà en 2017. Ouais, donc c'est cette année son anniversaire. Ah, d'accord. C'est juste après la rentrée des classes. Donc on essaiera de penser à ton anniversaire. Envoie-nous un petit message privé. Comme ce sera ton anniversaire, on te chantera une super chanson. Oui. D'accord? Ouais. Je suis née le 5 septembre 2002. Ma date de naissance, c'est le 5 septembre 2017. Enfin, ma date d'anniversaire de naissance, n'importe quoi. J'ai dit anniversaire ou naissance? Naissance. Ah ouais, anniversaire. Alors, mon téléphone, on ne donne pas. Mon adresse et signature. Et avec ça, nous avions gros bisous avec plein de cœur. Et attention, Océane. Question FAQ. Alors, on a 6 questions que nous pose Iba. Bon. Donc, est-ce que je vous les pose? Est-ce que vous êtes prêts à répondre? Oui. Question 1. Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans la vie? Youtubeur. Coiffeuse? Moi, c'est pour les montages car en fait, j'aide ma maman à faire des montages photos et ça m'amuse. Et aussi, c'est un peu difficile. Ouais, c'est un peu difficile des fois les montages. Et Quentin aime bien particulièrement faire les montages vidéo ou photo, mais c'est vrai qu'il est encore un peu petit, donc on a un apprentissage, mais il apprend super bien. Et toi, Océane, donc coiffeuse? Mon coiffeur, genre. Océane, tu as quoi dans ta chambre? Une tête à coiffer, mais je pas souvent parce que je la trouve plus maintenant, mais les cheveux sont tous décoiffés. Elle coiffe en fait, c'est Barbie aussi. C'est surtout que les cheveux sont très emmêlés de sa tête à coiffer. Alors, question 2. Quel est votre chanteur préféré? On l'a pas déjà dit. One. Ah oui, on vient de le dire, je suis bête. non, on l'a pas dit. Ah non, non! Quel est votre chanteur préféré? Non, on l'a pas dit, non. Ah, ça va être Gibbs. Luan et... Et Bokora. Ceux qui font les gros. Non, que Luan, parce que je me fie, moi. Oh, bah c'est pas grave, tu peux aimer aussi les garçons, hein. C'est celui qui fait Branchy. Si. Alors, on s'aime bien Luan, qui a prêté la voix de Poppy dans le film. Et Troll. Et aussi, M. Bokora, qui a prêté sa voix à Branche dans les... Bye. Pokora parce que c'est un garçon. Ah bon, alors elle n'aime pas une Pokora parce que c'est un garçon, d'accord. Bah oui, mais comment? Et toi, comment c'est? Maître Gims. Maître Gims, ah j'aime bien Maître Gims, c'est super sympa. Alors ensuite, question numéro 3. C'est quoi votre youtubeur préféré? Moi j'en ai deux, j'en ai un que je connais pas son nom et après j'ai Sylvano. En fait il est trop marrant parce que à chaque fois qu'il voit celui que je connais pas, il lève le doigt. Et en fait parfois il lève les deux. Alors du coup il me fait trop rire. Ok. Ah bon bah Quentin aime un youtubeur dont il ne connaît pas le nom. Super. Alors dites-nous dans les commentaires. Et Sylvano est passé pour trouver des astuces dès que je suis bloquée. Et Sylvano et Océane, toi c'est Des mots joués, ouais, ils sont super sympas des mots joués. Alors si vous passez par là, ben, coucou, des mots joués. On adore vos vidéos, votre bonne humeur, tout. Ils sont un peu foufous aussi. Hein. Alors, question 4.
Pourquoi vous avez décidé de faire une chaîne YouTube? En fait, maman faisait une, alors du coup, ça nous a donné envie et aussi ça nous fait partager des moments en famille. Ah bah, j'aurais pas dit mieux. Effectivement, on passe beaucoup de moments en famille, on garde des bons souvenirs en vidéo, surtout. Et puis, on peut se permettre aussi des choses farfelues, c'est ça qui est rigolo. Hein. Oui, en fait, maman ne serait jamais versé un saut de slime sur la tête sans la gêne. Ah oui, non, mais c'est sûr. Et puis bon, ça vous permet et de faire et même un cap ou pas cap. Ouais, genre un cap ou pas cap. Aussi, la fameuse explosion de chocolat. Ah oui. Rigolote. Maman est mis au plafond, de partout. Enfin, c'est super rigolo. Et on fait des choses sur YouTube qu'on n'aurait jamais fait dans la vraie vie. Alors que le plafond, il y a encore des marques. Ouais, encore des marques, ouais. Question 5. Est-ce que vous voulez un jour venir au Maroc? Ouais. J'aimerais bien. Ouais. Aussi en Bretagne. Ouais, alors le Maroc et la Bretagne ne sont pas du tout au même endroit. Hein. Ouais, ok. La Bretagne est en haut de la France à gauche. Et le Maroc, c'est pas en France déjà. Non. C'est dans l'Afrique du... Sud. Non, du Nord. Donc c'est un très joli pays, très très joli pays. Je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller, mais par contre, avec votre papa, moi je suis déjà allée en Tunisie, qui est à côté et de en Italie. Non, mais c'est pas le même endroit. Mais bon, écoute, si l'occasion se présente, eh bien on viendra avec plaisir au Maroc. Ce sera une super expérience. Et peut-être qu'on ira te rendre en visite. Bah oui, pourquoi pas. Et dernière question, les loulous. Okay. Quel est votre film préféré? Moi, c'est... Les Trolls. Non. La Reine des presque. C'est pas Vaiana par hasard. La Reine des Neiges. Je crois qu'elle va dire ça. La Reine des Neiges pour Oséa. Allez, pour Corentin. Je peux aller montrer. Je sais pas comment ça s'appelle. Alors, c'est un film avec quoi? Avec le gars qui peut contrôler l'océan normalement. Percy. Percy Jackson. Voilà, c'est ça. Ouais, on commente bien tout ce qui est mythes et légendes et il adore particulièrement Percy Jackson. Alors que je veux tout ça, je regarder. Pas Percy Jackson. Oh, ça ne regarde pas trop ces films-là parce qu'elle est encore un peu petite. Mmh. Voilà, le courant temps. J'ai le 1 et le 2. Oui, oui, tu as le 1 et le 2. Et Harry Potter aussi. Ah, je les ai tous regardés, j'adore ça. Alors attention, Harry Potter, Corentin les a tous regardés, mais avec... Maman. Et oui, avec maman, parce que c'est un film qui pourrait faire peur un petit peu. Oui, donc, mais en et fait... Et Jurassic... les a pas vus. Elle a aussi, j'aime bien Jurassic Park. Ouais, Jurassic Park. Je regardais le début du Monde Perdu, le 2 et le 1, et moi je regardais entier avec maman, sauf le moment où il y a quelqu'un qui se fait manger. Oui, parce que maman ne veut pas que tu regardes des images où ils sont mangés. Et c'est normal. Alors, les loulous, c'est et déjà si moi, je la fin de question. Moi, je ne regarde pas. Non, Océane ne regarde pas ces films-là. Moi, et j'étais avec papa. Elle a regardé le 1 de Harry Potter, pareil. Oui, par le 1 ne fait pas peur. Bon, ça va. Alors, les loulous, c'est la fin de ma FAQ. Déjà? Bah ouais, déjà. Wow. C'était cool. Alors, est-ce que ça vous a plu, ces questions? Oui. Alors, Aïba, on lui fait quoi? Gros bisous. Et gros bisous. Alors, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Ou de cette FAQ. Oui, ou de cette FAQ, en fait, au final, ben, ce courrier d'abonnés s'est transformé en FAQ. Oui. Ben, du coup, on dit qu'on va mettre FAQ. Alors les loulous, donc comme je vous le disais, c'est déjà la fin de cette FAQ vidéo. À mon avis, sur la photo, on va mettre FAQ en gros. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes du Maroc. Oui. Ah, ça vous intéresse de savoir. Si vous êtes du Maroc, si vous êtes déjà allé au Maroc. Nous, on n'y est jamais allé. Ouais, on est allé que en Espagne. Ouais, en Espagne, on est allé aussi en Italie. Non, pas nous. Pas vous, oui. Non, on est allé que en Espagne. Ah, on est payé en Espagne. On va aller en Alsace. Oui, on va aller en Alsace, mais ça, c'est en France. Bah oui. Alors, les loulous, bah, dites-nous dans les commentaires si ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Et surtout, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et n'oubliez pas,
d'activer la petite cloche de notification. Pour suivre toutes nos vidéos. Alors, à bientôt dans la prochaine vidéo. On vous fait des gros bisous. Et on vous dit...